Ah putain, putain, c'est pas mon lit ça. Et où mon PC? Qu'est-ce qui se passe? Fils, viens vers moi. Ouais, il nous faut de l'eau. Il faut que j'y rentre. J'ai pas. Attends, mais il faut que je vois mes abonnements. Ah, voyons voir. Ah, il y a Narthas qui me dit que je suis un enculé. Ah bah super. Allez. Waouh. Histoire joueuse de Koalone. Hey, t'as un plagiat. Hey, mais toi, je te reconnais. Tu es. Attends, ça me dit dans l'œil. Tu es Kirby dans l'univers Pokémon, accompagné de son fidèle ami. Coucou. Bon, quoique, attends, est-ce que je peux lancer l'introduction avant? Ouais, je vais lancer l'introduction, désolé. Bon, attends, je vais dans le tuyau, comme si l'introduction est là. Ah, eh ben, elle est là. Bonjour, c'est moi, SuyoGeek, vous savez, votre youtubeur préféré. Et aujourd'hui, on est sur Supraland. Alors, évidemment, vous voulez me dire, c'est quoi ton jeu de merde? C'est pas un jeu de merde, c'est un très bon jeu. Parce que c'est les créateurs de Supra Ball, vous savez, le jeu de foot avec des gros canons. Bah là, ils ont fait un jeu d'aventure. Bon, je peux prendre ton épée? Ah merde, je l'ai défoncé! Bon, en vrai, pourquoi j'ai pris ce jeu, etc. C'est parce qu'ils m'ont passé une réduc de. Ah mais attends, je vais expliquer le jeu d'abord. Donc c'est un jeu qui est créé par les créateurs Super Bowl, mais ils m'ont passé à une réduc parce que j'avais acheté leur jeu. Et cette réduction était de 50, donc je me suis dit, et pourquoi pas? J'ai pas essayé Supra Bowl, mais le style graphique, je l'aime beaucoup. Ah, c'est les bleus, c'est des méchants. Ah, ils le cassent! Enculé! Côte Pleuville, toc, ok. Comment on fait? If you're fast... Oh putain, mais fais chier! Bon bah du coup on va faire ce qu'il nous reste à faire hein. Acheter le l'argent. On va prendre ça. C'est bon, tu vas réussir ton business. Waouh, mais je vais ultra vite. Un spin Hanson. Elsbar. On dirait que je suis en train de jouer à. Comment il s'appelle déjà ce jeu où tu fais comme si tu avançais le jeu, Evoland. Voilà. Waouh. Non mais je veux pas revenir en arrière. Non, je me barre. Salut. Mais pourquoi t'es à l'entrée du village, connard? Connard? Ah non, j'ai entendu un bruit. Non, une menace! Une menace! Ah! Eh, je peux sauter même si je suis mort. C'était un bavard machin, mais là, je pourrais les avoir facilement. Hein. Oh bah, quoi faire de plus? Je nique le truc, quoi. J'ai même pas besoin de faire cette épreuve. Dommage. Ah putain, ils sont un peu idiots, quand même. Wouah, mais ils sautent! Avec ça, déjà. Ouah, wow, mais il y a toute la tribu, vite! Il faut que je m'enfuis! Vous mourrez. Ouah, wow, la vache, mais il était sur moi depuis le début! Mais je l'ai tué! L'arnaque! C'est quoi ça? J'ai des coquillages! Ouah, wow, mais le jeu, putain! Au début, ils font du football et après, ils font ça, quoi! Putain, des génies! Attends, ça, c'est activé, ça? Ah non, c'est un. Connard! Bon, bah, on va laisser fermer, hein! Ouais, passe-moi un truc. Une armure. Putain, j'ai l'air ridicule avec l'armure quand même. Waouh, il y a une fumée bleue. Waouh, waouh, ils font de la potion magique. Just once, je sais. Et j'ai rien d'autre après. I'm not cooking everything is there. Je sais. You want the coke. Ah, mais. Connard. Ah, mais je me fais harceler. Mais c'est bon, je suis pas à Saint-Denis non plus. J'ai oublié de se casser ce petit bois. Ok, là. Non! Non, 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 aide-moi! Le cube! Le cube! Mon ami! Putain. Ah! Je sais pas, je voulais ça depuis le début. Ah, ok, c'est un moulin! Ah! Du coup, ça veut dire qu'il faut faire contrepoids ici. Mais le problème, c'est que il faut que j'accède le truc sans me faire mal. Mais laisse-moi passer. Que par là, ça peut être parfait. Il faut être 50-50 avec... Putain, alors, peut-être que je peux faire carrément ça plutôt. Quel con, alors. Ouah, un peu plus loin, pour faire un peu la distance. Bon, très bien, je l'ai dégagé même. Ah, c'était ça la logique qu'il fallait faire. Putain, mais je suis con quelquefois. Non! Merde, c'est pas ça que je voulais activer. Ouah, un super laser.
Bon, alors évidemment, il faut que je vous dise quand même un truc, quand même, en attendant que je cherche la suite, c'est que ce jeu, il est assez anticipé, et du coup là, il est en version 4.5, si je dis pas de conneries, ou peut-être 1.6. Et du coup, bah, pour l'instant, bon, je sais pas si c'est quoi les changements, parce que j'ai vu vite fait les changements, quoi. Et en vrai, pour ça, je les vois pas les changements qu'ils ont fait, hein, parce que c'est que le début du jeu, je tiens à préciser. Ona, you have a gun for open this, ok, dude. Boom. Thanks, you magic door open. Il va mourir, lui. Non, il s'enfuit, hein. Attends, je veux le suivre. Thank you, magic door opener. Mais putain, mais t'es devant la prison des bleus. Bon. Bah du coup on va s'arrêter sur ce beau château. Bon il est moche mais bon hein, il faut savoir ce qu'il faut faire. Hein. Ah bah il est mort lui. Eh hey, mais attends c'est... Eh hey, c'est... merde, c'est Musclor. On le reconnaît avec ses cheveux blonds. Et sa tenue à moitié à poil. I'm too sexy for my shirt. Bon bah voilà, hein, c'est la fin de la vidéo. Donc si t'as aimé ce jeu, bah mets un pouce bleu. Si tu veux voir la suite, mets un pouce bleu. Si tu... Voilà, mets un pouce bleu et ensuite bah commente si tu veux voir la suite pour être sûr et certain. Et puis n'hésite pas à partager à tes amis s'ils n'ont pas découvert ce jeu. Et après on va peut-être attaquer cela. Bon bah du coup je vais retourner à la maison. Moi. Je vais faire mon roleplay, je vais faire la partie où je vais dormir. Chut, je fais un peu du hors-cam mais bon voilà. Mince, je... Ah oui, ça va pas, quel combat. Ce sera puni pour moi, voilà. Bon, allez, j'en ai marre de cette politique, je vais dormir, allez, salut. Avec mon armure. J'ai envie de vomir.